Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Cute Farmer Life, un farm sim très cute et au niveau graphisme plutôt minimaliste, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Un jeu solo sorti le 17 novembre 2023 au prix actuellement de 4,99€ sur Steam hors promo. Il est en anglais, développé et édité par SE32. On peut jouer à la manette, qui est d'ailleurs conseillée quand on lance le jeu. Et par contre, pas de rebind des touches possible. Donc moi, je vais virer ma petite souris. Je vais normalement utiliser la manette que j'ai branchée. On va faire une nouvelle game. Et on est donc parti. Donc on bosse apparemment dans un bureau. Alors, je m'attarde pas trop sur les dialogues, hein. Travailler, dormir, travailler, dormir. Ok. Et on finit à l'hosto. Comme dans tous les farms, les jeux de Farm Sim, j'ai décidé de bouger à la maison de mon grand-père. Ça, c'est pas mal. Si tu veux une histoire un peu plus intéressante, achète un jeu triple A où tu auras juste à appuyer sur un bouton. Eux qui se foutent bien de la figure des. J'aime bien ça. J'aime bien, il y a de l'humour. Alors malheureusement en anglais, mais il y a de l'humour. Donc, on doit venir ici. Ok. Là, on n'a rien. Donc ça, c'est le coffre de vente. Donc notre maison. Ici, on a un atelier. Ok. D'accord. On a notre lit, on a aussi ceci. Titan rose. Alors, j'ai 5 graines à planter. Ah, les graines, enfin les... C'est bizarre. Ok, ça pousse ultra vite en fait. La carotte vaut 5, sachant qu'elle est gratuite. Et donc là, on débloque des slots en fait. Ah, c'est un d'argent. Et coucou voisin. Je vois que tu es en galère avec ta ferme. C'est un peu compliqué, mais je gère. À ce que je vois, tu as besoin d'un peu d'aide. Ok, un silver coin égale 100 coins. Pour débloquer. Ah, c'est gentil.
Ok. Donc. Alors, on va voir combien ça se revend, ça. On va faire les calculs. Ça coûte 5. J'imagine que c'est plus long, bien sûr. Je me suis trompé de touche. Ok. Donc ça, normalement, on fait un bénéf de 5. C'est tout à fait ça. Ok, donc là on pourra débloquer d'autres choses. Si j'avais une hache, je pourrais couper ça. Il est presque prêt lui là. Bon, c'est plus long du coup, hein. Donc, on est à 15. Donc ça vaut, on fait 10 de bénéf. Et ça, on fait 20 de bénéf. Donc le plus rentable, c'est effectivement la courge, même si elle est plus longue à se farm. La courge, c'est une citrouille en l'occurrence. Et donc ici, en fait, si je veux faire les gants, il me faut 8 de ça, 5 et 5. Ok, donc on va commencer par... Là, je récupère des baies, donc des oranges du ciel. Et donc en fait, c'est une espèce de... Comment dire les loulous? C'est un farm sim, mais pas classique. Farmer level 3. Ah. Ah, mais je me suis planté là. Ah oui, mais c'est pas comme ça que je vais faire de la thune, en fait, moi. Alors ça, je vais le vendre. Donc ça, il m'en faut 5. La sixième, je pourrais la revendre. Plus d'eau. C'est quoi ça? Arrosage niveau 3. Oui, donc je disais du coup, on est plus sur un jeu type automatisation un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez les base building, bah c'est un, il y a un peu de ce délire, même si on n'est pas non plus complètement là-dessus, hein. Il faut juste que j'aille me remettre en tête ce qu'il faut pour faire le. Alors je sais pas à quoi ça va me servir de faire ce craft, hein, mais. C'est 8 et 5. On va refaire une petite série.
Et donc, 8. Donc ça, je peux en vendre 5. Bon, déjà, on va vendre ça. Et donc maintenant, il faut que je plante 5 comme ça. Voilà. J'attends que ça pousse et je vais faire mon craft. Et en attendant, on peut tester ceci qu'on n'a pas encore testé pour voir un peu ce que ça donne. Alors, on a à nouveau ça qui a poussé. Je sais pas si ça pousse tous les jours, ça. Ok. On est bon. Donc gardener level 1, craft level 2. Alors j'avoue que d'avoir fait le... Ok, donc on débloque effectivement des choses. Et donc ça m'a débloqué ceci, le wooden handle. Et là, par contre, bah, il me faut 10 de ça, 5 de ça, ah ouais, quand même, et 3 d'un truc que je ne sais pas faire, le repair kit. Ah, et la hache, c'est ceci. Ah bah, je suis pas prêt de l'avoir, la hache. Donc. T'es toujours pas prêt, ça. Ok, j'ai ma manette qui déconne. D'eau. C'est presque prêt, ça. Mais du coup, j'avoue vraiment que... Alors, je sais pas si... On n'a pas d'inventaire non plus. Ah, si. Mais encore, je ne sais pas. Par contre, les gants, d'avoir crafté les gants, à quoi ça me sert? Pas la moindre idée, les loulous. Mais alors, pas du tout. Donc... Le dernier fruit qu'on a débloqué, on l'achète 20, on le revend 30, 40. J'étais à trop, j'étais à 13, j'ai un doute. Alors, j'ai eu le logo du gant là à un moment donné, mais. Mais je sais pas à quoi c'est dû. Les dernières parcelles, elles coûtent quand même 32, hein. C'est cher, ça.
Alors, est-ce qu'on peut doudou? Apparemment non. Dormir la nuit, c'est le meilleur moment de la journée, il vient de me sortir donc. Eh bien, on est quand même assez limité dans les choses qu'on peut faire. Ça va être très répétitif, hein, j'ai l'impression. Clairement. Je vois pas trop la variété qu'on va pouvoir avoir sur les choses à faire sur ce jeu. Ok, donc c'est en développant nos niveaux d'agriculture qu'on accède à des nouvelles cultures, justement, aussi. Et donc là, quand même, mine de rien, on peut débloquer ça. Et on va planter de ça. Voilà. Bon, mine de rien, les petits buissons là qui donnent des feuilles un peu gratos, qui repoussent très vite à coup de 10, c'est pas mal. Et on est passé harvest. Alors, récolteur de fruits, niveau 2. Qui est plutôt pas mal. Ben, j'ai pas grand-chose. Je suis un peu dubitatif, les loulous. Pas grand chose à dire sur le jeu et sur ce que je fais là, c'est pour l'instant on fait toujours un peu la même chose. Donc là on sait qu'il faudra une hache, ici il faut 4 et ici 8. Ah, est-ce qu'on se tente l'objectif de faire ça là? Je pense que c'est jouable d'ici la fin de la vidéo. Il suffit de ramasser en boucle les petits buissons. Voilà, comme ça là. Là j'ai déjà fait 60 là avec ce que j'ai récupéré. Avant tout ça, on est déjà à 3 pièces d'argent. Donc ça va être assez facile. Ça va nous permettre de faire un autre type de récolte. Donc on va peut-être avoir des vaches ici. Et là, on aura peut-être un poulailler. Ensuite, il y a ça, là, j'ai pas regardé. La route en dessous nous amène au village, donc faudra vraiment la hache. Et donc pour faire la hache, alors le premier truc, je sais pas ce que c'est en fait. Sinon, il faudrait débloquer ça, mais pour ça il faut des branches. Bah, il faut vraiment déjà que je débloque. Si on veut aller dans l'ordre, il faut que je débloque le repair kit. Donc il me faut trois trucs. Donc déjà, il faut ouvrir l'étable, on va dire. On va appeler ça comme ça. On va dire que c'est une étable. Donc avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est la première priorité. Bon, par contre, ça n'empêche pas
de commencer à préparer un peu de ça, j'avoue. Je vais en faire 5. Qu'on gardera. Je m'en doutais. Alors, tu mets pas des masses, mais bon. Je m'en doutais un peu. Qu'on va revendre. Voilà, on n'est presque remonté à 300. On va attendre que les choses repoussent. Allez, ça commence à donner. On va récupérer tout ce qu'on peut. Là, ça n'a pas poussé. Il y a ça. Il y a ça. Voyez, il y avait la main qui était apparue là, mais je... Je comprends pas pourquoi. Bon, on y est presque. Il manque 35. À la rigueur, on peut. Voilà. Vas-y, ramasse-le, merci. On ne peut pas ramasser des choses en étant en mouvement, hein. J'ai remarqué. Donc cette fois c'est bon, on va pouvoir débloquer ceci les loulous. Ah ok, on met une vache, on a une vache pour 4 et ensuite une autre, ce sera 8. Ah oui, donc là pour 8, je vais avoir une poule quoi. Ok, très bien. Bon, eh bien, pour avoir les 3 de lait, ça va être un peu long. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre pour faire le repair kit? Donc il me faut 5 comme ça, je les ai. Et 10 comme ça. Ça, c'est bon normalement. Oui. Alors la vache, j'imagine qu'elle va produire une fois par jour. Ce serait le plus logique. Donc là, on va faire de la vente. On va replanter. D'eau. Donc après oui c'est pas très ouais
pas très foufou, quoi. Ok, donc notre premier lait. Notre vache est contente. Donc on va revendre les pépites là. Et bien sûr, je garde. Ok, on est remonté quasiment à 200. Bon, on va planter cette fois. Acheter ça. Farmer niveau 4. Pot. Et on va planter ça parce que la salade pour l'instant je peux pas la prendre. J'ai pas l'argent. Donc on est redescendu à zéro. Pratiquement. Mais bon, c'est pour mieux repartir derrière. Bien entendu. La vache, elle a pardonné. Si, ok. Donc elle peut donner plusieurs fois par jour. Elle n'a plus qu'une fois et puis on sera bien. Alors bien sûr, il y a une autre zone à débloquer de ce côté-là. Il va falloir le repair kit. C'est ça. C'est logique. Allez. Merci. Donc, on va revendre tout ce qu'on peut, à savoir ça, ça et ça. Ok, on est remonté à quasiment 300. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire le foufou un peu. Watering level 4. Mettre un comme ça. Ensuite, on va récupérer tout ce qui a repoussé. À droite, à gauche. Le troisième truc de lait, donc on va pouvoir utiliser le repair kit et débloquer une autre zone. Donc faut vraiment débloquer les choses au fur et à mesure. J'ai du mal à me faire un avis définitif sur le jeu. Je vous cache pas que. Donc j'ai le repair kit. Et du coup, je peux m'en servir ici.
Un lapin. Il faut que je lui donne des baies. Pas des baies. Il faut que je lui donne à manger pour le soigner. Alors là, on récupère énormément de choses. Il me faudrait une pioche. Logique. Alors, il faut quoi, du coup, à notre ami? Une carotte? Oh. Niveau 2. J'ai pas de... Je vais faire pousser une carotte ici. Ici. On va débloquer une poule. Parfait. Premiers œufs. Alors, j'ai plus de thunes. Mais bon. J'ai la carotte. On va tester la carotte sur le lapin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut le lapin du coup? Alors, j'avoue, je ne sais pas. Alors, je vais juste voir le prochain craft, les loulous. Donc, on peut refaire un récupère kit, effectivement. Et donc là, il me faut. D'accord, 12 œufs. Il faut que je crafte en fait 3 trucs comme ça. Donc, il faut 15 pot 15 citrouilles, 15 trucs blancs là, je sais plus ce que c'est. Et 36 branches. D'accord. Bah, c'est de la patience et du farming, clairement. Donc en fait, il faut plein de petites, plein de petits fruits comme ça. Ça, faut que je les garde. Harvester de fruits niveau 3. Alors là, c'est pareil, on aura un truc ici à casser pour aller dans une encore une autre zone. Alors, le lapin, je vois vraiment pas ce qu'il veut en fait. On a notre premier œuf.
Donc ça, il en faut 36, j'en ai 15. Ça, il en faut un paquet, j'en ai un. Ça, il en fallait quelques-uns. Enfin, la poule qui a répondu. Garder ça pour l'instant. Tout le reste, faut que je le garde. Et donc, pour finir cette petite présentation, les loups, on va regarder ce qu'on a débloqué en fait. Hein. En termes de craft. Alors, en termes de craft, j'ai rien débloqué d'autre. Et puis, bah, pour faire les 3 wooden handles, bah, il va falloir faire un paquet de thunes pour faire les 15 et les 2x15. Être patient pour avoir les branches par terre qui vont spawn dans la deuxième zone. Dans tous les cas, les loulous, bah, c'était la présentation de Cute Farmer Life. Voilà, c'est un mélange en fait de Farm Sim et de Base Building dans la progression, je trouve. C'est pas pour me déplaire, mais c'est déjà très répétitif en fait, je trouve, dans le genre. Donc vous me direz, vous, bah, ce que vous en avez pensé quand même, les loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!